l'état du jardin avant. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des feuilles partout. On n'avait pas encore nettoyé le jardin, donc là on va l'attaquer. Vous voyez, il y a même plein de taches par terre, parce que ça, on avait l'ancien parasol. Donc il faudra tout nettoyer. Mais il y a beaucoup de feuilles partout. Là, je vous montre le jardin une fois terminé. Donc on a enlevé toutes les feuilles. Donc par contre, comme vous pouvez le constater, j'ai pas encore fait le sol, j'ai pas nettoyé le sol. Donc c'est un sol avec des dalles gravillonnées, si je me trompe pas. Mais c'est franchement galère à nettoyer, j'arrive pas à l'avoir tout propre. Donc c'est un peu chiant, je prends le balai brosse et des cristaux dessous. Donc si vous avez une astuce pour nettoyer ce genre de sol et que ça soit nickel, dites-le moi, parce que c'est vraiment galère à nettoyer, j'arrive vraiment pas à l'avoir comme au premier jour. Donc là, je vous montre un peu plus de plus près. Donc en dessous du tropelling, il y avait plein de feuilles, là il n'y a plus rien du tout. Plus de feuilles, on a tout enlevé, on a tout bien rangé. On a rangé la piscine dans l'espèce de bac là-bas au fond. Donc là, en fait, je vous montre le transat qu'on avait acheté chez Norma bien avant que les magasins soient fermés, bien entendu. Donc on l'avait payé 40 €. Je pense que par la suite, vous pourrez le retrouver un peu partout. Donc vous avez un pare-soleil comme je vous montre là, où vous pouvez le mettre de plusieurs positions pour éviter le soleil tout simplement. Et vous pouvez aussi l'installer quand vous êtes dessus. Donc quand vous allez être couché dessus, vous pouvez aussi l'installer complètement couché. Vous avez même un appui-tête, là, ce qui est vraiment pas mal. Donc là, bah, vous voyez, il n'y a plus du tout de feuilles non plus. Par contre, le sol, il est sale. Par contre, il faudra vraiment bien que je le nettoie. Donc on a mis le fauteuil suspendu et là, on a mis le mobilier de jardin. Voilà, ça fait quand même propre.